y a 5 ans, moi j'ai fait Deauville, c'est-à-dire DOS plutôt que DEAU, Deauville, parce qu'en fait je suis venue au mois de janvier, il y avait les cotillons derrière moi et la fin de la fête, et j'ai photographié que l'horizon et la mer. J'ai adoré ça. C'est-à-dire la ville était complètement vidée, il n'y avait personne, et c'était très beau, vraiment très beau. De l'expérience que j'ai eue, et c'était vraiment tout à fait formidable d'avoir une commande qui était une opportunité de faire quelque chose pour soi, qui était en même temps une commande. Et je pense que c'est resté dans cette tradition et que tous les photographes qui travaillent sont ravis finalement de faire un festival qui est, une commande. Qui est une commande et en même temps une opportunité, parce que c'est vraiment très bien de pouvoir le faire. C'est intéressant parce que c'est justement d'autres regards et qu'il n'y a pas de regard pareil, et que de donner une chance à des gens qui en ont un mais qui peuvent sur un même sujet voir différemment les uns des autres, je trouve que c'est une situation intéressante. Il y a une émulation. Oui. Et il n'y a pas de concurrence, mais tout le monde est dans le même élan. On demande à 10 photographes de photographier un arbre, il y a 10 arbres. Parce qu'il n'y a aucun regard, chacun a le sien.